L'Institut africain des sciences et des mathématiques, au fait, qui porte l'initiative du Next Einstein Forum. Donc, c'est une grande école de l'enseignement supérieur qui est beaucoup axée sur la recherche scientifique, qui forme des élites au niveau africain dans le domaine des sciences et des mathématiques. Je présente brièvement la Semaine africaine des sciences, qui est à sa deuxième édition cette année. L'année dernière, c'était encore à Abidjan, dans le mois de juin, sous le même thème, susciter les vocations pour les sciences. Et nous allons conduire le même thème cette année, parce que pour nous, à la recherche du nouveau ou du prochain Einstein, il est vraiment important de faire de la médiation scientifique. Pour ça, ce thème suscitait des vocations pour les sciences. Pour nous, il est important de montrer la science d'une autre manière. Permettre à des enfants dès le bas âge, ce que Babylab fait, d'être initiés à la robotique, permettre à des enfants d'être initiés à la biologie. Et cette promotion est vraiment importante en partant des Fab Labs qui sont des laboratoires, mais qui sont vraiment ouverts parce qu'on y prône l'open source. La Fondation Maïs System est une fondation d'utilité publique qui exerce dans quatre domaines, la santé, l'environnement, la culture et l'éducation. Moi, je travaille sur plusieurs sujets, et en particulier des sujets autour de l'Internet des objets, plusieurs verticales, verticales Smart Agri, Smart City. Là, c'était l'occasion de parler un petit peu de tout ça à la Semaine des sciences. Mais comment associer les TIC pour faciliter le conseil agricole? Donc, nous travaillons avec les producteurs depuis la préparation de leur projet ou bien la préparation de la saison agricole jusqu'à l'accès au marché. Donc on a quelques applications que nous avons développées pour faciliter le travail. On a la chance aujourd'hui d'avoir une école en Côte d'Ivoire qui forme donc deux référentiels. On a un référentiel dev web et un référentiel référent digital. Aujourd'hui, il a été question d'aborder le Next Einstein. Qu'est-ce que c'est que le Next Einstein devant nos convives? La vision du NEF. Nous avons abordé le sujet des smart agri et de l'Internet des objets connectés. Nous avons parlé de médiation scientifique.